RMC Bourdin Direct, j'ai testé pour vous. Yeah. Jenna, comment ça va? Jenna Timba, vous avez testé à l'occasion de la journée mondiale de l'eau de nombreux objets qui nous proposent de nous aider à agir au niveau de la planète et de la facture aussi. Vous êtes mouillée, si j'ai bien compris, pour tester un objet connecté. J'ai testé le pommeau de douche connecté de la start-up française Hydrao, en fait, grâce à un système LED intégré. Le pommeau s'illumine pour informer en temps réel le volume d'eau consommé par la famille, par exemple, et d'en mesurer le coût. Donc, vert jusqu'à 10 litres. On a les images, non? Oui. Les images du pommeau. Enfin, pas de moi dans la douche. Vous avez tout vu, mon canapé, mon lit, mais là, la douche, je garde mon titre. Je voulais les images du pommeau, moi. En gros, en vert, c'est jusqu'à 10 litres d'eau consommée, violet jusqu'à 20, rouge jusqu'à 30 et rouge jusqu'à 50 litres. Donc, l'habitude que j'avais de refaire le monde dans ma douche s'est vite évaporée grâce justement aux notifications et aux données qui sont envoyées à l'application. J'ai vite pris conscience du coût du gaspillage et du coût engendré. Et selon la start-up, un pommeau de douche connecté apporterait une économie moyenne de 56% par rapport à un pommeau standard, soit à peu près 130 euros par an et par personne. Ce qui est pas négligeable. Pour un foyer. Ça vaut le coup. Voilà, ça permet d'influer sur le comportement de chacun, de sensibiliser les enfants autour d'une source d'économie à la fois financière et écologique. Et ça intéresse aussi les professionnels de l'hôtellerie, des salles de sport et toutes les entreprises qui cherchent justement à mettre fin au gaspillage d'eau. Alors, ça vaut quand même 69 euros. C'est utile avec l'application et ce qui pourrait être un peu plus ludique et justement plus facile pour la c'est de faire des comptes groupés. C'est ce qui manque à l'application, mais sinon après j'ai apprécié le fait de. C'est une bonne idée. Voilà. Merci Jenna. Mais je vous en prie. C'est une bonne idée Olivier Faure. Hein, tout ce bien, qui contribue à l'économie. Je vais installer ça chez moi. Avec grand plaisir et vous nous ferez un retour. C'est vrai que les enfants ont tendance parfois à rester un peu longtemps sous la douche. Hein. Ça c'est un grand classique. Bon, il est 6h26, Charles, vous restez longtemps.